Ce contexte sanitaire, le déconfinement va se poursuivre. Fanny Wegscheider, vous nous avez rejoint. La prochaine étape, c'est le 9 juin. C'est dans une semaine pile poil. Qu'est-ce qui change? Alors, on va rentrer dans la troisième des quatre étapes de déconfinement. On en voit bientôt le bout. La première restriction qui va être levée, c'est celle du couvre-feu. En tout cas, elle va être décalée. On va gagner 2 heures. Et ce sera un couvre-feu à partir de 23 heures. Il y aura aussi de nouveaux allègements, puisque les cafés, bars et restaurants, vous le savez, vont pouvoir ouvrir leurs salles à 50% seulement de la jauge et 6 personnes maximum par tablé. En terrasse, ce sera 100% des capacités d'accueil qui pourront être occupées. Les bonnes nouvelles pour les sportifs, les salles de sport, les piscines couvertes également pourront rouvrir à tous les publics. Jusqu'à présent, c'était uniquement pour les pratiquants prioritaires. Cette fois-ci, ça pourra ouvrir à tout le monde avec une jauge à 50% là aussi. Et des sports sans contact uniquement. Les salons, les foires d'exposition rouvrent aussi avec la même jauge de 50%. À noter que tous les rassemblements de plus de 1000 personnes nécessiteront de votre part de venir avec un pass sanitaire. À l'approche des vacances d'été également, bonne nouvelle pour les établissements thermaux. Ils vont pouvoir rouvrir à 35% de leur jauge et un protocole sanitaire spécifique. On va donc retrouver plus de liberté le 9 juin, mais à quand le retour à une vie encore plus normale, Fanny? Bientôt, Céline. Très, très bientôt, puisque plus que 4 semaines, le 30 juin, ce sera donc la dernière étape du déconfinement, si tout va bien, évidemment, si les signaux sanitaires sont toujours au vert. Ce qui changera à ce moment-là, eh bien, ce sera la levée définitive du couvre-feu. Les limites de jauge seront également levées dans tous les établissements qui reçoivent du public. Et puis, il y aura la reprise des festivals en plein air, debout, 4 mètres carrés par festivalier et des jauges définies selon les préfets localement. Reprise également des concerts et des salles en configuration debout. Là aussi, il faudra le pass sanitaire encore pour les événements de plus de 1000 personnes et puis toujours des libertés retrouvées, mais on le rappelle, avec le maintien des mesures barrières et des distanciations physiques. Voilà, merci Fanny Wegscheider. La couverture vaccinale, elle est étudiée ce matin par l'exécutif et c'est là qu'on revient vers vous, Jeanne.